Mademoiselle. Mademoiselle, arrêtez-vous. Vous allez où? Je sors. Vous sortez pour aller où? Quelque part. Quelque part. Eh bien, j'aimerais tout simplement vous poser des questions concernant votre petit copain qui m'a échappé tout à l'heure. C'est quoi caché? Vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas? Vous ne reprochez de rien. Rien du tout. Alors suivez-moi au poste. Je suis désolée, je ne peux pas vous suivre. Vous dites? Je ne peux pas. La femme d'un bandit est également une bandite. Alors vous allez me suivre au poste et je négocie pas. Je ne peux. Allez-y. Lâche-moi! Lâche-moi! M'amuse pas, hein? Lâche-moi! Lâche-moi! Tu vois qui m'énerve? C'est encore un peu de me déranger là. Toi et ta bande d'amis là, je vous ai à l'œil. Tout à l'heure, je suis passé, vous avez séquestré une pauvre âme innocente. Et ce qui me surprend, c'est qu'elle n'a pas voulu porter plainte. C'est ça qui me surprend. Et je vais mener des enquêtes. Et rassurez-vous que je ferai des tours ici régulièrement. Parce que quand je regarde même d'abord tes yeux là, tu ressembles à quelqu'un de bizarre. Tu es sûr que tu n'as pas fait la prison? Hein? En tout cas, je vous ai à l'œil. Je viendrai ici et régulièrement. Et je vais enquêter. Moi, je vais enquêter. Je ne vais pas laisser ça. Vous me faites mal. Comment? Avance, ça va. Ça, ce n'est même pas la malchance, c'est ça, mon frère. Donc, voilà ce que tu entends souvent, que même si tu es couché, quand le diable est déjà ancré dans ta vie, même si tu es couché sur ton lit, les problèmes viennent te prouver là. Mieux j'ancre même d'abord, parce que en restant même là dehors, on va encore dire que même l'âme va tirer sur toi, tu dois mourir. Parce que les gens ne veulent plus te voir partir. Ma chérie, ça va déjà? Tu es parti là étant fâché, tu reviens toute joyeuse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça a été bon. Viens de manger, non pas. En tout cas, viens prendre ton argent, nous on parle même des gens. Arrête, c'est comment? Ok, écoute une chose. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher des problèmes. On sort de prison. Nous attendons notre subvention. Depuis que nous sommes arrivés là, tout est difficile dans notre île. Et là où nous sommes là, on ne veut pas de problème. C'est que tu as vu au quartier là, si tu essaies de ramener ça, de remettre ça dans ton rapport pour que l'argent n'arrive pas, je vais retrouver ta famille, je vais retrouver tes gens, je vais te chercher, je vais te piller. Et sache que je n'ai plus rien à perdre. Cet argent, c'est tout pour moi. Lui là, il ne compte plus rien d'autre. Donc tout ce que je veux, c'est un arrangement à l'amiable. Arrangement à l'amiable avec un couteau à main. Tiens, c'est son couteau. Non, moi je suis sorti avec le couteau aussi pour aller limer pour qu'on prépare la maison. Maintenant toi tu as pris ça pour transformer ça en arme du crime. Je ne suis pas avec toi. En fait, que ce couteau ne te fasse pas peur. Moi je suis avec toi. Ah, ma chérie, NB, note bien. Je ne suis pas avec lui. Moi je ne veux pas de problème. Je ne cherche pas les problèmes. On est ensemble. Non, je ne suis pas avec toi. Non, je n'ancre pas dans tes magouilles, haricots. Enlève-moi de là, je ne suis pas là. Mais qu'est-ce qui te prend d'être toujours? Non. Oh, arrête ça. Hey. Toi, viens ici. C'est quoi? Qu'est-ce qui te prend? Dis donc, arrête ça. Viens ici. Viens ici, là. Qu'est-ce tu ne viens pas. Je dis, viens ici. Je dis, tu n'as pas peur du couteau, si? Tu crois que tu vas impressionner qu'il y a le petit couteau, là? Je travaille les prisonniers, les meurtriers tous les jours. Tu crois que tu veux m'intimider avec ça? Vous n'êtes que des petits voleurs, des stupides. Faut te calmer, les gars. Viens ici, là. Gars, Kem, viens en cause. C'est déjà aussi ton tour. Approche d'abord. Je suis là, non? Explique alors. J'ai un deal à vous proposer. Quoi? Quoi? Un deal? Mm-hmm. Il s'agit de quoi? Bon, mademoiselle, arrêtez. Ah non, arrêtez. Abadi, bonsoir. Voilà tes choses.
Depuis que je t'attends, tu viens à quelle heure? Depuis que tu m'attends, hein. C'est la dernière livraison que moi je te fais. Tu vois que tout ne tourne pas bien dans ta tête là. La dernière livraison. Je t'ai dit que tu vas payer jusqu'à la gare. Tu vas payer. Je t'ai pas envoyé aller prendre mon argent. Ça fait dans une semaine que moi je te livre les choses chaque jour. Je m'en fous, Wazabanga. Tu crois même ce que je viens de subir là? Je me suis fait agresser deux fois. Donc ça veut dire à que. À cause de tes livraisons. Donc ça veut dire que tu voles ça. Tu voles ça pour venir me donner. Toi, tu m'avais donné un travail avant d'aller en prison. Mon petit, je m'en fous de ce que tu fais pour venir me donner ça. Que tu voles, oh, qu'on te fasse quoi. Oh. Tout ce que je veux, c'est que tu viennes livrer jusqu'à ce que je sois satisfait. Avant que vous ne sortiez de prison, moi, je menais ma vie tranquillement. Tranquillement, il n'y a pas de problème ici au quartier. Mais depuis que vous êtes sorti, je ne fais que souffrir. C'est comme ça que mon agent était aussi tranquillement là-bas à la rivière. À cause de toi, il a commencé à souffrir. Maintenant, tu payes. Tu vas d'abord garder ton argent où? À côté de l'eau. Si le poisson mangeait ça, moi au moins, je suis reconnaissant que non, j'ai pris ton argent et je décide de te rembourser. Mais toi, tu n'es pas reconnaissant. Si le poisson mangeait, j'allais organiser une partie de pêche et arrêter le poisson là. J'allais le manger. Mais comme toi, tu n'es pas le poisson, je ne peux pas, je peux te manger. Je ne peux pas te manger. C'est pourquoi je t'utilise. Pour payer en nature, tu vas payer en nature jusqu'à ce que je serai satisfait. Non, ne dérange pas les gens. Et je t'ai dit en passant, dorénavant quand tu vas arriver ici là, je ne veux plus que tu entres ici si tu es torse nu. Parce qu'il y a une mineure ici à la maison. Et je ne veux non plus que tu crouves pour alibi que comme tu étais torse nu, tu n'es pas venu livrer. Parce que je te connais. Où en as-tu toi, Babadi? Donc tu crois que moi j'ai voulu me lever, me balader partout au quartier, torse nu, montrer mes abdos avec mes muscles, gratuitement aux filles. Wazabanga, je m'en fous de tes balivernes là. On t'a agressé, on t'a fait ceci. Tout ce que je te demande, c'est ce que tu dois faire. Et fais-le. Si tu ne veux pas que je change avec toi, tu connais où je sors. Mais moi, je t'ai dit, c'est ma dernière livraison. Je croyais que j'avais peur de toi. Oh, voilà. Maintenant, moi, je n'ai plus peur de toi. Après tout ce que je viens de traverser, je n'ai plus peur de toi, Babadi. Lève-toi là-bas, tu t'assois à côté de qui? Lève-toi, tu pars chez toi. Tu fais quoi? Je vais me reposer. Wazabanga, enlève ton chapeau, tu me donnes, je suis la bouche avec. C'est la magie. Donc tu finis de manger, mais t'as... Enlève ça, tu me donnes, je suis la bouche. C'est quoi avec toi? Moi, je n'ai plus peur de toi. Moi, je t'ai dit ça, je n'ai plus peur de toi. Après ce que j'ai traversé aujourd'hui, je n'ai plus peur de toi. C'est même quoi l'histoire, ça? Mathé. Bah vas-y. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu es sorti de prison. Non, ils sont sortis de prison depuis. On t'a demandé quoi? On nous a libérés. On vous a libérés. Et c'est ici seulement. Que tu as vu que tu dois arriver. Hein? Maman, est-ce que j'ai encore une autre famille? Non. Ça ne se fait pas comme ça. Avec tout ce que tu as fait dans le quartier ici et ici même à la maison, on te libère là-bas, c'est ici que tu viens. Moi, je ne veux plus te voir ici. Maman, je ne veux plus te voir ici. Maman, je suis toujours ton enfant. Ah, hein? Non. Même là-bas en prison, si on nous a donné une deuxième chance en prison, pourquoi pas en famille? Au moins le temps que tu ne m'as pas rendu visite là, si on peut se rattraper pour que nous soyons une famille unie maintenant. Famille unie? Tu dis bien famille unie. En passant, où est Alida? Justement, comme tu es parti au village, tu as laissé Alida ici là. Quand je sors maintenant, je viens avec mes amis, je viens trouver qu'Alida vit déjà avec un gars ici à la maison. Le gars en train de la faire, Alida fait déjà, c'est une faiseuse. Ici à la maison. Chaque jour. Alida ne peut pas me faire ça. Alida que je connais, ma fille que je connais, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. Je sais que tu n'as plus. Tais-toi. Tu as compris, non? Wazabanga, tais-toi. Hein? Tais-toi. Parce que toi, l'autre jour, tu es même d'abord venu ici, tu as pris mon téléviseur, tu es parti avec. Je t'ai laissé. Je ne suis pas allé me plaindre parce que moi, je ne veux pas les problèmes. Si tu pars même en prison, tu iras me faire quoi là-bas? Oui. Tu iras me travailler quoi là-bas? C'est mon instinct de mec qui a fait que je ne t'envoie pas en prison. Hein. Donc, tu...
Regarde Ali, même d'abord comment tu habilles. Tu viens faire quoi ici comme ça? Ali Dama dit que les images vous voient. Ah. La télé est chez le D'abord, je ne parle même pas. Wazabanga. Ali Dama est où? Ali Dama est où? Wazabanga. Comme ça, tu as pris la télé que mon père avait achetée. Tu es parti avec. La regarde, télé, elle est où? Regarde, Baba dit, c'est Ali Dama qui veut me voir que les images vous voient floues. La je télé est où? C'est chaud, le mécanicien. Wazabanga. La télé est où? La télé, pour le moment, la télé à Yaoundé. Parce qu'apparemment, c'est une panne internationale. Donc, ils vont gérer ça là-bas. Quand ils vont finir, ils vont m'appeler. Je vais gérer ton cas après. Merci. Ali Dama, où? Ali Dama dit que tu es parti au village, que tu es parti faire les champs. Moi, je ne suis pas allé au village. J'étais au deuil. J'étais à un deuil. Tu es mort dans la famille. Ton problème, c'est quoi? Voilà. Moi, je veux voir Ali Dama parce que l'histoire que tu me dis là, il faut. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'Ali Dama. Comment Ali Dama peut. Je ne suis pas sûr. J'ai même failli tuer le gars là, ici à la maison. Hey. J'ai brûlé ses habits. Wow. Parce que si on ne m'arrêtait pas, j'allais rentrer en prison pour ça. Voilà la personne qui dit qu'il veut changer. Donc, à peine tu arrives, tu trouves même qu'il y a une situation comme ça. Toi, tu dis que tu voulais, tu as brûlé les habits, tu as fait ceci. C'est quelqu'un qui veut changer. Maman, ça veut dire que tu me comprends. C'est quelqu'un qui veut changer. Moi, je suis déjà là. Et je vais prendre mes responsabilités à main à partir d'aujourd'hui. Tu veux prendre tes responsabilités à main. Mais moi, tu avais déjà brûlé les habits. On était là depuis la matinée. Après ça, là, elle dit qu'elle peut pas prendre l'argent chez Maman Zigli. Il lui dit qu'il lui donne 30 minutes. Ça fait plus de 2 heures de temps qu'elle n'est pas revenue. Seigneur Jésus. Tu doutes, n'est-ce pas? Ah, voilà qui vient. Marche même vite, non? Je t'attends ici depuis. Mais c'est ma petite soeur, elle peut dire les mensonges sur elle. Tu sors d'où? Je suis allée prendre l'argent chez Maman Zigli. Comment elle avait pris les choses? Depuis que tu es parti, tu arrives à quelle heure ici là? L'argent là c'est combien? 250. Et tu es parti là-bas à quelle heure? Ça fait depuis que je suis arrivée là, ton frère me dit que tu étais là parti, ça a fait 3 heures de temps. Depuis... Elle n'était pas là, j'attendais qu'elle vienne. Tu ne pouvais pas rentrer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est resté se passer ici? Elle allait faire. Il ne s'est rien passé ici. Ah? Oh. Tu dis quoi? N'amuse pas avec moi, dis la vérité. Il ne s'est rien passé ici. Dis la vraie vérité. Obama Poura. Obama Poura. Qu'est-ce qui est resté se passer ici? Tu sais, ton frère, c'est vrai, c'est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon, il vole, il fait tout. Moi, il ne vole pas. Moi, je ne vole pas. Le mensonge, là, sur tout ce qui te concerne, il ne peut pas me mentir. Donc, tu as le droit de me dire la vérité. Parle. Moi, il ne s'est rien passé ici. C'est moi-même, là. Ouais. Assis. C'est moi-même. Au sol. Couche-toi. Couche-toi aussi rapidement là, nous on n'a pas le temps à perdre. J'arrive, je vais chercher la chicotte. Voilà. Oh. Oh, lève la tête quand il te parle. C'est quoi? Donc, non seulement tu es une faiseuse nationale, maintenant tu es une menteuse internationale. Tu m'as dit que ma mère est partie où? Au village. Tu m'as dit que ma mère est partie où? Donc tu voulais que je te dise qu'elle est partie accompagner son nouveau mari au deuil. Elle est partie accompagner qui? Son nouveau mari. Attends. Tu es sérieuse là? Moi te dis. Hein? Ouais, pardon. Laisse-moi attendre ma mort tranquillement. Tu dis quoi? Oh, toi, viens. Attends, vous voulez rendre qui bête? Tu parles même à qui comme ça? Laisse-moi parler. Maintenant, c'est le chef de famille qui prend le contrôle. C'est le chef de famille qui parle. Madame, vous vous taisez. Ali Dama, quand je suis sorti de prison, je t'ai posé la question de savoir que ma mère est où. Qu'est-ce que tu m'as dit? Au village. Maintenant, toi, quand tu arrives, tu trouves qu'Ali Dama n'est pas là. Je te demande que tu étais où. Qu'est-ce que tu me réponds? Au deuil. Maintenant, tu quittes ici pour aller prendre les bâtons pour fouetter Ali Dama parce que tu ne sais où elle sort. Je reste là menacé, je lui demande que qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que ma mère était où? Elle me dit d'abord au village. Je la menace. Elle me dit maintenant que tu étais où? Au deuil. Avec qui? Ton nouveau mari. Ton nouveau mari. Donc comme ça, tu trompes mon père. Le père fondateur de tous ces biens.
Comme ça, tu veux venir vivre avec un autre homme ici pour exploiter ses biens. Tu ne vas pas me laisser faire. J'ai dit à Babadi, ton père vit encore. Tu dis que je le trompe. Il vit encore. Il est mort, ça fait combien d'années? Réponds-moi, ça fait combien d'années? 10 ans. 10 bonnes années. Il ne te trompe pas chez les morts. Un mort fait encore quoi? Il peut encore me faire quoi? Regarde-moi. Tellement. Je dois refaire ma vie. Non, la mère, vous êtes encore. Hein? Je ne dois pas refaire ma vie. Rien à dire. Moi, monsieur, qui est encore. Ne parle pas comme ça, ma mère. Move. Toi et ton ami, là. D'abord, j'ai dit qu'on ne veut plus le voir ici. Toi-même, je ne veux plus te voir aussi ici, là. Moi, je n'ai plus envie de rester ici parce avec toute l'éducation qu'on t'a donnée, moi et ton père, profession, voleur, bandit, tout. De toutes les façons, non. Moi, je vois que c'est une organisation kamikaze que vous préparez ici à la maison. Et pour éviter le pire. Va! Voilà l'exemple que vous montrez aux voisins. Ouais. On quitte même en prison, on se dit qu'on vient dans notre famille pour nous accueillir. Il continue même c'est à vous parler. Qui nous mettez en commun. J'ai dit que va. Je pars. Je reste m'occuper du cas de Dalida. D'abord, elle va rester me dire la vérité. Ça va. Vous êtes là, restez vivre dans votre palais. Ça va, non? Alida, dis-moi la vérité. Avant de taper, on arrose souvent. Tapez maintenant. Je tiens. Ça a quoi à voir avec l'histoire? Fini de raconter l'histoire, maintenant on voit s'il faille que je parte. Et en passant, ici là c'est un lieu public. Ouais, tu pourrais donc t'asseoir là-bas, tu nous laisses ici. Hein? Pour le bon résumé, tu as dit que tu avais tes maisons, que tu gérais avec tes locataires, que tu allais augmenter la location. Regarde, nous on a eu le deal avec la fille là, c'est pour nous deux, donc ça ne te concerne pas. Le peu qu'on t'a raconté là, ça va. Kaka, laisse ça. Mais maintenant, quand elle vous a proposé le deal, qu'est-ce que vous avez fait? Tu veux savoir? Voilà le deal. Si je vous fais un bon rapport et que je vous aide à monter votre dossier comme il faut, l'argent que vous allez gagner, vous donnez ma part dessus. Quel argent? On vous a dit 600 000 parce qu'on ne vous fait pas confiance. Si moi je m'occupe du dossier là, vous aurez bien plus que ça. Comment ça? Si je vous fais gagner quelques millions, je reçois mes 30% dedans. Comment tu vas nous faire gagner ça? Tu ne fais que parler. Mon frère, pourquoi tu doutes de moi? C'est moi qui travaille là, non? Ah, ça veut dire que si c'est 3 millions, on enlève tes 30%, ça fait 30 000 francs. Comment ça? Mais dans 3 millions, on enlève 30%, ça fait 30 000, non? Et si tu as dit 300% pour qu'on te donne 300 000, tu as bien dit 30%, ça fait 30 000. C'est cool, c'est bon. Et si c'est 10 000 francs? Ça fait toujours 30 000. Ok, en fait, nous avons compris, nous allons réfléchir. On te donnera une réponse. Ne réfléchissez pas longtemps, parce que lundi n'est plus loin. Ça ne vaut pas la peine. Nos vies ne valent vraiment pas la peine. C'est ta vie qui ne vaut pas la peine. Qui ne vaut pas la peine. Ah, au moins, je me dérange pas avec les choses là. Il a compris. On gère ça à deux. Le deal, c'est d'abord pour nous deux. Oui. Lui, là, tu as ton gant, non? Vous gérez l'argent à deux comment? Nous sommes quoi? Tu dis que vous gérez l'argent à deux? Tu es malade. Vous voulez dire peut-être que j'aille vendre la mèche chez le pêcheur. Je m'en vais gâter. Je vous dis. Tu vois. Ça laisse que j'ai des sentiments. C'est pour nous. Voilà. C'est pour nous deux. C'est toi qui gâtes d'abord. N'est-ce pas? Tu as pris ton gant, tu nous as abandonné. C'est pour nous quoi? C'est pour nous. Nous allons gérer. Nous là non. C'est toi et moi. C'est nous non. Le pluriel, c'est toi. Toi et moi élus, c'est pour nous. Attends un peu, Haricot. Je ne comprends pas ton nous là. Ton pluriel là, c'est à quel niveau maintenant? C'est pour nous quoi? Ou bien c'est pour nous deux? Le pluriel, c'est nous, non? Non, je veux savoir que ton pluriel là maintenant, comme tu as dit que le pluriel, c'est deux, c'est quoi? Le pluriel là maintenant, c'est quoi ou bien c'est deux? Le pluriel là, c'est toi, moi, lui,
le pêcheur, le chef du village et la femme en question. C'est pour nous. Bon, quand tu es en train de te boire ton matangola, une place, c'est le singulier, non? Ton singulier, là, c'est pour nous, c'est pour toi. Je vous ai donné le matango, vous avez bu. Papa dit, ils ont fait quoi? Ils ne se dispersons pas. Il se fait tard. Réfléchissons où on peut passer la nuit.